de l'Évangile. Dans ma famille, je n'aurais pas honte de l'Évangile. Les voisins, je n'aurais pas honte de l'Évangile. Dis à ton ami qui est à côté de toi, je n'aurais pas honte de l'Évangile. Le salut. Parole du salut, c'est une puissance pour le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut. Tu peux dire avec moi. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut. Pour le salut de quiconque croit, alors que tu seras avec ton ami demain, après-demain à l'école. N'aie pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est pour le salut, pour que ton ami puisse aller à la vie éternelle comme toi. Fier d'être chrétien, c'est être un évangéliste à l'extérieur. Tu ne peux pas dire je suis fier d'être chrétien, mais tu ne parles pas de Jésus à tes amis. Mais les mères, en sortant de ce lieu, dis je suis fier d'être chrétien et je ramènerai l'évangile partout. Tu peux dire avec moi, je suis fier d'être chrétien. Ok, on reprend encore bien. Je suis fier d'être chrétien et je ramènerai l'évangile partout. Tu peux bien le dire encore, vas-y. Bravo! Quelqu'un d'autre, je vais vous aider beaucoup. Je suis fière d'être chrétienne et je ramènerai l'évangile partout. Je suis fière d'être chrétienne et je ramènerai l'évangile partout. Moi, quand j'étais jeune comme vous, quand j'ai rencontré Jésus à 16 ans, j'ai ramené l'évangile dans les bus. J'ai ramené l'évangile à mes copines. J'ai changé les amitiés. J'ai changé les amis qui m'emmenaient dans le monde, qui m'emmenaient à faire le péché, qui m'emmenaient à tricher. J'ai changé d'amis qui m'emmenaient à voler. J'ai changé des amis qui m'emmenaient à mentir. Je ramènerai l'évangile partout. Soulève la main droite. Comme des pensées.